Bonjour et bienvenue sur ce 31e épisode où on va parler de Only Shield, le filtre de sélection pour garder uniquement les enfants qui sont des enfants uniques. Bon, avec toujours la présence de Ghislain qui se moque de ma répétition. Mais bon, je la sub. Et donc, une nouvelle page HTML où on a fait un script un peu bizarre avec des paragraphes qui se perdent au milieu entre deux puces et des paragraphes qui sont dans une puce. Voilà, et donc là je sélectionne tous les paragraphes de ma page, mais je garde que ceux qui sont enfants uniques. Alors, enfants uniques, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que donc, tout élément HTML, donc chaque paragraphe, est enfant d'un autre élément. C'est-à-dire que ce paragraphe est enfant de ce li, ce paragraphe est enfant de ce ul est enfant de body, et body est enfant de HTML, et on va s'arrêter là. Mais ce qui nous intéresse, c'est que donc, ce filtre va regarder uniquement ici les balises, enfin les balises, les éléments paragraphes qui sont enfants seuls et qui n'ont pas d'autres frères, qui n'ont pas de frères et sœurs, quoi. C'est-à-dire que ce paragraphe qui est contenu dans ce li, il n'y a aucun autre élément HTML, donc il est enfant unique. Alors que celui-ci a des frères et sœurs li, donc il n'est pas enfant unique. Donc du coup, ma sélection va regarder que le paragraphe qui est enfant unique. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Gisela? Non, c'est très clair. Eh ben, passons à l'épisode suivant, en vous souhaitant une bonne journée.